quand tu fais 13 changements sur une petite semaine comme ça, automatiquement, qu'il y avait des automatismes qui n'étaient pas là. Après, l'objectif est atteint. La victoire, les 5 points, 5 essais, même si je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire, que le contenu, surtout sur la première demi-heure, n'était pas satisfaisant. Sincèrement, je n'allais pas leur taper la bise et leur dire qu'ils avaient fait une première mi-temps exceptionnelle sur le contenu et sur le fait où pendant une demi-heure ça a été le néant. Non, voilà, on est un sport d'hommes où il faut se dire la vérité. Elle a été dite, les joueurs ont su réagir et voilà, on a eu beaucoup plus de réactivité en deuxième mi-temps. Vu tous les changements qu'il y avait, que le match revenait 4 jours après le match à Italie, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer, donc c'est sûr qu'il y avait pas mal d'appréhension. Après, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble, on a essayé de trouver un maximum de repères sur 2 entraînements. Bon, voilà, on a essayé de. On a beaucoup communiqué, surtout vu qu'on ne pouvait pas trop s'entraîner, on a échangé en dehors du terrain, savoir les plans de jeu qu'on allait mettre en place et les combinaisons qu'on voulait mettre en place. Et voilà.